Bonsoir tout le monde, nous venons parler ou de Haïtien ça, en fait nous voulons parler de Herbie Yves Jean-Pierre. En fait, monsieur, justement, il vient de soutien en pile l'organisation qui a défendu les immigrants, par ici. Monsieur, eh bien, relé dans le tribunal, fait mandat dans des agences fédérales, parce que tout simplement, agent Haïti t'a ronflé, monsieur, bat, li, maltraité pendant que lui en détention. Nous connaissons pas bon ici et pas de personne monde qui au-dessus de la loi. Donc, US Immigration Customs Enforcement, vous voulez parler IC, et tant monsieur en prison, et bien monsieur fait complainte. C'est monsieur expliqué, les gars, et gagant en elle, ça nous relève choc haut là, et puis yo frappé le nom, mi, vous comprenez, frappé le nom, mi, et puis mettez le face en bas à terre. Pendant que l'été nan et detention qui nan South Miami-Dade County et ça passe là, comprenez bien. Là monsieur vient faire et déclaration ça et il se trouve que et bien que nèg la fait complainte au niveau de la justice dossier a marché monsieur a si yo té vle pressé pour ta gèt en déporter monsieur. Est-ce que vous comprenez? Justement bon, là on demande Sandy à clé, c'est ou capable de briller ça. Il y a une tentative pour étouffer. Il y a un dossier que la justice a mené. Ok, pas oublier que on a parlé de assault qui arrivait dans et un espace de l'État côté que elle est en prison, elle a le droit tout. Ok, ou supposé et protéger droit. Donc et advocate immigration advocate yo même yo dit non plus jamais et dans cas d'investigation ça yo dit ainsi pas qu'à déporter Pierre Gilles jusqu'à ce que il gagne ça dans relé yon probe sous incident ça et yo expliqué yo connaît bien propre et pendant maintes fois c'est la première fois nèg va faire ça alors les moun ou braver danger ou décider parler et bien gagne ça yo relé et retaliation, yo retalié et dit yo prend vengeance nan. Donc ça passé, il a expliqué des fois les moun nan choisi lever porte voile pour parler du connait justice ba qui passé, ça qu'on fait, yo qu'on choisi, yo fait yo on ba yo relé et yo met en confinement, ça côté que yo met un petit côté pour contre en fait noir net, ba qui est psychologique qui ka faut vinn fou. Yo transféré loin pour pas wè moun ou dehors de communauté et ou bien yo choisi immédiatement déporté yo. Pour, de façon pour capable pas justement jouer rôle de témoin dans causer ça c'est en tout cas c'est déclaration Sophia Casimi qui c'est directeur Sandarelle advocate dans zone ça maintenant d'où le cas de Herbie Andy et Herbie et yo le tout Yves Pierre Gilles et ça qui passe il t'a fait comprendre que monsieur t'a semblé que il pas fin en fait d'après information comme quoi que pas fin terre. D'après ici, c'est un monde qui est tête li pa fin bon. Maintenant, nous pas contre tout détail qui zak monsieur fait, monsieur under the protection. Mais il dit que tête li pa fin bon. Maintenant, question c'est pas là. C'est pas cause que qui ça monsieur fait, c'est pas cause pour qui ça on va le déporter monsieur. Peut-être nous ca chercher détail là. Mais la question c'est que li son individu, yo haïtien li gen droit et entre les mains d'ici, yo mal tirisé. Yo chocoli, yo slamel nan mi, yo lagel bade, donc c'est justement c'est de ça qu'a parlé là. Donc nan de plaise, t'as de bien même lorsque après yo te gen droit déporter monsieur, mais dans dossier ça, yo dit il faut que justice soit rendue dans dossier ça. Mon yo clair sur ça, yo pas capable déporter monsieur pas avant que justement toute lumière parfaite sous action ça pour que agent qui responsable mauvais acte ça yo justement joindre ça au mérité. OK, pas oublier que nous toujours dit que et gagner et une véritable bataille là qu'a fait une résistance, pas les non bataille, nous une résistance parce que attendre nous pas veut nous comprendre que c'est normal, c'est ce qu'on appelle le résistance au changement. Tout changement gagne résistance et m'a dit dans la nature humaine et dans la nature humaine c'est lorsque vous êtes dans un système et c'est ça qui a passé au niveau vous êtes dans un système et que vinn gon l'autre équipe qu'on a son l'autre bagaille et que pour faire transition ça pour adapter à nouveau type de leadership ça va prendre du temps
Et maintenant, je t'ai posé, il n'y a pas de parole au niveau de ICV, vous dites ça qui passait. Et ça a dit de accusations, ça. Votre parole ici a dit que, même dans ce moment-là, il n'y a pas qu'à commenter. Parce que c'est une investigation qui a continué. Ok? So, et l'éclair, on dit pour tout le monde, l'éclair au niveau de manuel. Parce que tout le bagage, il n'y a pas fait ça, vous voulez, l'opteur dans l'État. Gagné. Et gagne un manuel, gagne un policier. Et gagne section, la donne qui parlait de l'utilisation de la force et de restreinte, qui pas autorisé mon yo pour utiliser degré de violence ça que vous faites sous Yves pour capable de contrôler. Et donc, ici, vous comprenez que, et bien, vous entendez ça, et toute allégation ça, vous dites que vous prenez. Au sérieux. Mais Jean Doula, c'est pas la première fois qu'il y a pas accusé God ICU de mauvais traitement. On dit de mauvais traitement, parce que yo maltraité moun ki nan prison dans comme detention yo et donc dans plusieurs côtés dans pays, il y a gen de lòs déjà qui fait sous ça nous rappelle dernièrement une discussion que t'as fait pour une qui était tout près et zone de tout près Mexique, monsieur Mantegon, une complainte qui fait ça de mauvais traitements que mon a dit. Depuis octobre 2020, tu gain à peu près 4 civil rights complaints qui m'ont demandé pour investiguer justement et comportement officier ICO ainsi que prison garde en fait, pas oublier que il ça les prisons privées non bah et ça pour garder illégal migrant. Bien que nous connaissons que Joe Biden fait prendre décision là pour fermer bagaille privatisation de prison ça prison privée ça Biden et justement de pour fermer et maintenant il a parlé tout de direct force contre Sandra et les communautés noires les détenus immigration advocate il a dit que et justement craint de ça ils ont abus on pas terme ils ont habitude d'abus et qui fait surtout à l'égard faut bien dire surtout à l'égard de communauté noire à l'intérieur d'Haïti et particulièrement, vous voulez parler tout de immigration detention qui est en Floride. Dans cette déclaration, Pierre Gilles dit que lui-même, il pas bouqué chercher la justice parce qu'il pensait qu'il méritait justice par rapport avec misère, nègre, ça. Il fait le passé dans North Miami, dans Detention Center au niveau de Haïti. Et donc, effectivement, il y a des problèmes qui existaient au niveau du département. Et Homeland Security, ces déclarations Pierre Gilles et yon nan pi gwo bagay actuellement et qui yo caché qui yo pa vle di et que nous t'a supposé porter à l'attention du public puisque n'est plus question pour des agents de l'État à faire de pareille brutalité de pareil abus à maltraiter des immigrants à ce niveau que yo prend yo donc c'est pas possible alors que monsieur dame ça yo t'es justement et prêté serment pour yo protéger et servir. Et Pierre Gilles qui a parlé, il dit prier, il espérait que situation par là, que l'a attiré attention publique là pour que bagaille ça capable changer et toutes circonstances qui autour de incident ça toujours une clair. Donc et lorsque ça que Pierre Gilles et pas oublier qu'il parlait de Pierre Gilles m'a rappelé nous que il dit que c'est un monde qui mental health, qui a des problèmes mental health au niveau de cellules cerveau lorsque il dit parler de officier qui mettait qui était genou sous Fesli. God damn it. Il dit, non seulement il dit que la vie grave, c'est pas en cause que vous frappez l'homme. Donc, vous mettez tout genou sous Fesli, puis vous faites lipsli. God damn, man. Éclaté, déplacé. C'est ça, il a son enfer. Tenez bien, oui. So, vous arrivez à mettre genou dans Fesli pour faire que ça marche déjointe, éclaté, oui. Oh God. Ça veut dire. Et des bêtes. Comment man? Déchiré, rad sous lit, slip qui était sous lit, yo violemment retiré yo. Avec des plusieurs. Yo parlait de garde fille qui a fait travail ça yo, alors que superviseur a gardé. Continue comprendre. Et scène ça a expliqué là. Monsieur a expliqué tout ça que le passé hein. Et puis c'est pas la suite monsieur a dit que yo slamel on the ground
Et puis, même côté, on a choc. Il y a trois caméras, monsieur dit, normalement, qui enregistrent avec violence à côté de la batterie. Yo sous vidéo. Donc, monsieur dit que Assayance a travaillé pour Akima Global Service, qui c'est une agency qui a ici fait contrat avec un Comb Detention. Donc, il déclarait que l'attaque ça qu'elle subit lié au niveau de Freedom of Immigrant National Abuse Hotline. Abus contre immigrants de couleur noire, que c'est un bagage qui est vraiment triste, que c'est pendant des années, mon a pas assisté à travers Chrome, surtout parler de Chrome Detention, et côté que Human Rights a supervisé, monitoré abus à eux, que détenu a et enduré. Wendy King a parlé, exécutif Immigrant Alliance. Donc il dit fuck bagay ça a campé immédiatement. Il dit yo pral continuer bataille pour que justement yo mette vidéo ça de yo pour que et moun qui responsable bagage ça a porté responsabilité. Comment bien exercice d'en avoir expliqué là, c'est terrible. Des moun qui nan men l'état qui y a maltraité surtout des noirs. Wa mando, c'est quoi ça? Ça y est. C'est vraiment inacceptable là ou attendez ces gens de scénario et wa mando qu'on est là un monde qui gagne famille ou nan Chrome Guard nan detention sa yo, hein, kwapmando c'est comme qu'on va dire c'est un moun ou gen c'est pas l'état encore c'est kidnappé ou kidnappé ou kidnappé ou moun ki kidnappé n'importe bagay ka arrive, yeah, mais c'est terrible en tout cas. Et donc nous t'a souhaité que justement que yo fè lumière sou cause ça et que mesdames sa yo kap fè action, c'est dans cas ça spécifiquement. Son pin, mesdames, yo dit ki ta pou ronfle, monsieur. Nan état sa, yo parle de bouchi, mâchoire déjointé, et que nan ka sa, précisément, pour que, pou ba ou prison. Pou ba ou prison. Ça fait studio. Et yo dit, ces gens de réaction, yo pa première fois. Son ba kap fait sous tapis, ces gens de violence. Kap fait au niveau de Haïti, il faudrait que yo commence justement. Et attaquer mon sao pour que yo prenne responsabilité pour yo connait les yo fait yo pas gen personne qui ka protéger yo et que normalement y a payé conséquence à partir de ce moment y a commencé prendre main. Donc voilà guys, on te pote update ça de confrère moi qui t'a expliqué misère que li passé et en bas main ici. Donc voilà guys, et restez branchés nous autres et dernière information yo nous toujours à partager avec nous. C'était un plaisir, bye bye tout le monde.